commence le kickboxing à l'âge de 10 ans. Cette année-ci, m'a fait mon 20 ans de carrière. Bon, j'ai une riche carrière derrière moi, même si il me reste quelques années encore devant moi, quand je me pressais à acquérir le maximum de titres hein, encore. Mais comme on me dit, c'est une riche carrière avec deux titres de champion du monde junior, deux titres de champion du monde senior, diverses médailles d'or à la Coupe du Monde et aux championnats d'Afrique. Mais pour être là aujourd'hui avec tous ces titres-là, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il y avait beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup de souffrances. Et c'est par rapport à cela que quelquefois que mon réussite arrive là où j'ai été aujourd'hui. Je me rappelle que quand j'ai commencé, comme on rentre dans la sélection, j'ai à peine 16 ans. J'ai sauté mon bout, j'ai venu entraîner Rosil pratiquement plusieurs fois à la semaine à cette époque-là. Et la transition au fait entre club de ma région et la sélection, c'est très différent. Et c'était très, très, très dur. Mais il fallait qu'il me croire mon rêve, qu'il me reste à l'entraînement. Même s'il y a des fois qui m'ont tiré envie de sauver, parce que c'était tellement dur, c'était éprouvant physiquement, c'était éprouvant psychologiquement. Et m'en apprendre que sans justement cette étape-là, que tu souffres là, il n'y aura pas de titre à l'arrière. Tous les titres faits acquérir grâce à la souffrance, grâce à la sueur, grâce même des fois au sang, parce que on fait un sport de contact, le kickboxing, contre le but, c'est quelque part de toucher physiquement l'adversaire. Et bon, mon progresser, mon apprendre et mon progresser. Et le sport, le kickboxing, il a une quelque bonne philosophie pour moi. Parce que le kickboxing prend énormément de place dans mon avis. Le kickboxing, il donne moi, en fait, c'est un style de vie, une façon de vivre. Et mon base, tout ce qui me fait dans mon avis professionnel, dans mon avis personnel, donc le kickboxing transpire dans tout ça là. Et moi personnellement, je suis content de la personne qui m'a été aujourd'hui, qui me retourne en arrière, qui me retourne quand j'étais dans 15 ans, 16 ans. L'adulte que j'ai envie de devenir, quelque part, c'est ce qui m'a été aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un achievement. Je viens d'une famille, d'une fratrie de 7 enfants. Donc ce qui fait qu'on était tout le temps, toujours nombreux, avec une famille modeste, moi, à Maïbo, à Beauvallon plus précisément. Les choses n'ont pas été tout le temps faciles. Mais on était soudés, on était une famille très soudée. Moi, mon enfance, on pas pu changer pour rien au monde, parce que c'est là quelque part qui m'a bâti mon caractère, ce qui m'a été. C'est dans la difficulté quelque part qui nous arrivait à se construire vraiment. Et moi, toutes ces difficultés qu'on a traversées là, c'est ce qui m'a permis justement de me forger. Moi, dans les championnats du monde en 2019, quand on faisait retenir mon titre, quand on pouvait défendre mon titre, et on va travailler pour faire en sorte que justement, qu'ils vont arriver à retenir le titre qui a été acquis avec énormément de difficultés. Il y a la Coupe du Monde avant. On va bosser pour faire en sorte que 2019 soit une année où, moi, comme toutes les saisons, on avait qu'à terminer la saison invaincue. J'espère que 2019 sera le cas. Et bon, moi, je suis plutôt jeune, moi, j'ai encore quelques années devant moi. À 31 ans, on pensait que il ne me reste pas beaucoup d'années. Mais mon procès fait en sorte d'engranger le maximum de titres possible. Parce que, comme on me dit, les 20 dernières années, moi, je me consacrais au sport. Et moi, je pensais que ma vie, quelque part, est consacrée exclusivement au sport, parce que le sport, c'est ce qui me construit à moi, c'est ce qui me fait moi être. Et tout ce qui m'a acquis pendant toutes ces années-là, m'a envie de quelque part transmettre aux autres. Parce que je pensais qu'ils m'ont acquis de l'expérience du haut niveau, m'ont acquis l'expérience en même temps qu'ils m'ont l'entraîneur, actuellement mon entraîneur à la gym. Donc je pensais moi pour continuer dans le domaine, pour continuer à apporter mon expérience aux jeunes, à ceux qui évoluent dans le monde sportif. Et fête de fin d'année pour moi, ça va être avec la famille. Ça va être simple. Pour moi, c'est du moment que m'entourer des gens qui est important pour moi, ça me suffit. Un jeune actuellement peut vivre du sport s'il fait les choses correctement. Le ministère donne les moyens justement pour qu'on arrive à avoir une vie plus ou moins décente grâce au sport.